2018 et c'est officiellement le premier vlog de l'année. Voilà. Du coup, je pense que je vais faire des playlists 2016, n'importe quoi. Bon. Du coup, je pense que je vais faire une playlist pour 2016, pour 2017. J'y arrive pas, hein. Coucou ma chérie. Et une playlist pour 2018, voilà, où je vais numéroter de 1 à voilà. Moi, j'ai pas fait beaucoup de vlogs en 2017, mais 2016. J'ai un truc avec 2016, moi, là, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Bon, je voulais vous montrer un petit peu notre sapin. On l'a redécoré. Regardez-moi ça. Du coup, je me dis, j'aurais pas dû enlever la guirlande de lumière. Ça aurait fait cool aussi. Ce sont des serpentins. Tu veux dire bonjour ? On mange une galette. Oui, on a mangé une galette et c'est Lucas qui a eu la fève. C'est très rare que Lucas ait la fève, alors il était très content. À la télé, il y a le mariage de mon meilleur ami. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et oui, aujourd'hui, j'en ai sans maquillage, hein, bien sûr. Ça fait du bien aussi. De toute façon, là maintenant, mon fond de teint est tellement foncé pour ma peau que c'est pas possible. Et on est en train de manger plein de raisins aussi. On adore trop ça. Et ben voilà, non, c'est une journée chill quand même. Mais ouais, je suis tellement habituée à vlogger, j'ai du mal à lâcher en fait. Là, j'ai monté le vlog, il ne me reste plus que la miniature et tout à mettre. Du coup, bah, je vais faire ça vite pour que vous l'ayez pour 5 heures. Ça doit faire une heure que je charge ma caméra, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas chargé. Non mais ce temps, on en parle de ce temps, c'est horrible. Horrible. Oh là là.
du coup, je vais laisser encore charger. Hein. En fait, ce matin, il faisait super beau. Et enfin, moi, donc, on s'est endormi 2h du matin, je crois, un peu avant. Et du coup, ben, moi, je suis réveillée depuis 8h du matin. Là, il est 5h30, je suis très fatiguée. Mais les enfants, ça va. Enfin, Anna, du coup, elle s'est endormie bien avant nous. Anna, vers 11h, 11h30, en fait, elle était tellement fatiguée qu'elle m'a demandé d'aller au lit. C'est pour ça qu'elle n'est pas là à la fin de la vidéo pour vous dire bonne année. Mais bon, c'était bien sympa. C'était bien sympa aujourd'hui, quand même. Moi, en fait, quand je regarde la vidéo, vraiment, je me dis que je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur jour de l'an. Alors, on se retrouve. Je suis dans la chambre des filles, là. Oui, le lit d'Anna n'est pas encore fait. Elle se reposait un petit peu quelques fois dans la journée. S'est installée. Alors là, j'avais envie de vous montrer la maison Enchantimals, la tortue Enchantimals et le koala Enchantimals. Et Anna mange encore du raisin. Ouais, j'avais envie de vous montrer donc pour ceux qui ne l'ont pas eu, donc pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Maya joue très bien avec et Anna aussi. Du coup, je me dis peut-être que le Père Noël, il aurait dû en emmener deux en fait. Une pour Anna et une pour Maya parce que Maya a du mal à prêter ses nouvelles affaires des fois. Allez, je vous montre. En gros, voilà à quoi elle ressemble. La première pièce, là nous avons... Quoi ? Il y avait une petite cafetière comme ça où on était hier. Je suis à Mérissa. Et un petit... comme ça, c'est dommage que ce soit tout jaune, mais c'est très mignon. Et du coup, vous voyez en dessous, il y a des trucs comme ça, et voilà. Là, on peut le mettre, ça va pas tomber. Alors, du coup, attends, Maya, je crois que Mimi est enfermée dans le placard. Tu veux bien aller voir? Alors là, maman, Maya, c'est parfait. Du coup, nous avons. Quoi ça? Ah, c'est chouette. Il y a des petites tasses là, comme ça. Et là, nous avons... Attendez, est-ce que vous allez voir? Oui. Alors, c'est bien, bien mis dessus. Hein. Voilà, comme ça. C'est un espèce de buffet. Et ouais, un buffet, je sais pas. Et là, donc, nous avons... une espèce de petite chaise haute. Là, on peut enlever et mettre ça. Et bien entendu, c'est pour faire tenir. On va le retirer. C'est pour mettre le petit panda. Donc voilà, là je vous l'ai mis, donc c'est pour mettre les petits animaux comme ça. C'est mignon, hein? Très mignon. Là, on a une petite fenêtre. Alors là, à l'extérieur. Un ascenseur comme ça, très facile à s'en servir. Et en haut, nous avons la chambre. Donc c'est un lit superposé, on va dire, en gros, avec là le lit donc pour l'Enchantimals et en haut pour son animal. Hop là, très mignon. Bon, elle est un peu grande quand même, hein. Et voilà, là nous avons son animal. Une jolie petite cheminée. Les couleurs sont très mignonnes. Donc là, l'Enchantimals tortue qui bouge les jambes. Elles sont articulées. Elle a de mignonnes petites baskets quand même. Le vélo, c'est un triporteur, on dirait. Il est très sympa. Là nous avons la petite tortue qui est toute mignonne aussi. Elle a... Maya était très contente de l'avoir. Et là, nous avons la petite tortue qui a aussi son casquet. Très mignonne. Voilà. Et là, en fait, il y a... Bon, du coup, à certains endroits, il y a des trucs comme ça. C'est pour poser les Enchantimals sous les chaussures. Elles ont des trous comme ça. Et l'Enchantimals prend... L'Enchantimals panda a aussi les jambes articulées.
Elle est vraiment très jolie. Très mignonne. Et celle-là, ben, je suppose que c'est un petit toboggan pour son animal. Comme ça. Et là, c'est mignon. Là, nous avons la salle de bain. Avec ça, c'est tout mignon. Petite toilette, grande toilette. Et là, pareil, petit lavabo, grand lavabo. C'est mignon. Et là, on monte et nous avons une petite cabane là, dans les arbres. Et là, un petit balcon. Donc voilà. Bon, du coup, c'est dommage qu'il y ait... pas assez d'accessoires. Enfin, pas plus que ça. Mais elle est très mignonne. Elle était à 40 euros. Voilà, donc ça va. Pour le prix, ça va, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous les montrer. Sans forcément faire une vidéo que dessus. Et bientôt, on vous montrera les autres Enchanty Malls. En plus de ce qu'elles ont eu. J'ai des jolies petites fleurs là. Je vous montre un petit peu l'extérieur. Très mignon. Regardez, j'ai enfin acheté l'ampoule à Laura. J'ai vraiment mal aux yeux. Et voilà. Ah voilà. Voilà ce que ça donne. Enfin, j'ai réussi. Donc voilà. Et du coup, pour sa bougie là. Et ben, même sans l'allumer, je trouve que ça sent hyper bon. Tranquillou, vous ? Moi, oui. C'était une journée repos ? Vous êtes fatiguée ? Très repos. Je vais aller faire à manger, là. Okay. En fait, je suis super contente qu'on avance dans le temps comme ça. Là, on est en 2018. Déjà, avant tout, nous sommes en janvier. Ce mois-ci, il va y avoir la fin de la saison 14 de Grey's Anatomy qui va passer. Moi, je la regarde en streaming. Hein. Et je m'en moque s'il faut lire. Hein. Voilà, je m'en moque complètement. J'ai juste hâte de savoir la suite. Et aussi, qui dit janvier, dit que dans 4 mois, il va faire même moins. Dans 3-4 mois, il va faire meilleur. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que... Ben, il fait froid. Hein. Il fait froid. C'est vrai que on n'est pas habitué à... Enfin, moi, je suis très frileuse à la base. Et ouais, en fait, c'est pas grave qu'il pleuve, mais faut pas qu'il fasse froid, quoi. Et ouais, donc du coup, j'ai hâte de plus mettre de pull, voilà, de tout ça. Mettre en robe, aller à la piscine ou à la mer. Peut-être pas à la mer, on n'aime pas la mer. Bon, j'avais dit que je voulais faire des pâtes pour ce repas, mais j'en avais pas. Du coup, c'est purée, œufs brouillés et carottes. Et des petits pois carottes. Ouah, j'aime pas les carottes. Petits pois j'aime carottes. J'aime pas les carottes. Il y a des carottes. J'aime pas les carottes. J'aime pas les carottes. Bon, tu mangeras pas de carottes, c'est pas grave. Je voudrais les carottes. Bon, nous sommes le soir. Là, il est... Là, vous me voyez plus. Il est 9h19. C'est un soir de pleine lune. C'est la super lune. Vous avez dû en entendre parler aux infos, ils en ont parlé. Voilà, entre hier et aujourd'hui. Là, les enfants sont en train de jouer. Ils font un espèce de jeu comme il y a dans Minecraft. Oui. Non, pas ça. Là, c'est un autre jeu. C'est un jeu qui se joue normalement avec des cartes. Mais on n'a pas de cartes. Le jour se lève sur la ville. La ville enchantée. Allez, ça va. Salut ma vie. Alors, on regarde qui est-ce qu'on est. Compris. Ok. Je sais qui je suis. Moi aussi. Anna alors, aussi joue. Tranquille. Tout t'as vu bien. Anna quitter. Elle a l'air de choquée. Allez, donc maintenant, donc la journée passe. La journée passe. Attends, mais je dois aller miner. Non, le soir. Après, c'est au lit, hein, parce qu'il est tard. Regardez Anna. Elle est en train de dormir debout. Elle est sur. Je vais dormir, quoi.
J'appelle les loups-garous. J'appelle les elfes. Les loups-garous choisissent de tuer quelqu'un. Décidez-vous. Les loups ont choisi leur mère. La mère. Voilà. Les loups se rendorment. Anna rendort. À peu près le délire du jeu. Bon, du coup, moi je vais vous laisser maintenant. Je suis trop fatiguée. J'ai envie d'aller. Du coup, je les laisse terminer leur jeu et on va tous aller dormir là. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis très certainement à demain ou je sais pas, voilà. Demain, j'ai des courses à faire et il y a ma maman qui vient nous rendre visite pour la nouvelle année pour nous faire un petit bisou. Voilà, du coup. Et puis les enfants doivent continuer leurs devoirs parce qu'ils les ont bien commencé. Ils doivent continuer les devoirs. Et voilà. Bon, du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!